Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes déjà confortablement assis et prêts à suivre le cours de français ce matin. Je me présente, Madame Bézélé Tanga Annie Bernadette, professeure des lycées. Alors, ce matin, je vais vous entretenir sur la séquence qui s'intitule « L'argumentation ». Mais plus exactement, nous allons travailler en expression écrite. Donc, le titre de la leçon est « Les caractéristiques de l'argumentation ». L'objectif général est d'amener l'élève à maîtriser les caractéristiques d'une argumentation et à produire un texte argumentatif. Comme objectif spécifique de cette séance, à la fin de la séance, l'élève doit être capable d'identifier les procédés ou encore les éléments de l'argumentation. Vous savez, tous les jours de notre vie, nous sommes amenés à argumenter. C'est donc un sujet important. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du texte qui nous servira de support. Je vous invite donc à lire le texte avec moi. L'amateur de thé est une brochure distribuée gratuitement dans les magasins où l'on vend du café ou du thé. R.P. Daman est un importateur de thé. Le thé est reconnu comme étant la boisson universelle par excellence. Il est bu dans les pays chauds pour se rafraîchir et dans les pays froids pour se réchauffer. Enfin, dans tous les pays du monde, il est bu pour se désaltérer. Mais le thé est également reconnu comme une boisson aux multiples bienfaits. Tonique, il stimule mais n'excite pas. Son action positive sur les fonctions physiques et intellectuelles est réelle. Il augmente le tonus, favorise la résistance et la vivacité de l'esprit et diminue la fatigue. Diurétique, il facilite aussi la digestion. C'est ainsi que depuis le XXe siècle, nous savons que le thé comporte trois composants majeurs, la théine, le tanin et l'eau. À chacun de ces composants, correspond un certain nombre de propriétés et de ce fait, il est possible d'avancer que le thé ne comportant ni calories ni sodium est souvent conseillé pour accompagner un régime sans sel. Le thé est riche en vitamines A, B1, C, E, K, P et PP. Le thé est aussi riche en calcium, potassium, cuivre, zinc et surtout en fluor. De nombreuses boissons comme le thé ont des vertus parmi lesquelles l'eau, le jus d'orange, le citron. Toutes ces vertus bénéfiques sont certainement à l'origine de son immense popularité. Aujourd'hui, le thé est la boisson la plus consommée dans le monde après l'eau. R.P. Daman, l'amateur de thé numéro 1, janvier 1998. J'espère que vous avez suivi la lecture du texte avec moi. Nous allons maintenant passer à la lecture des questions. Je vous prie de suivre attentivement. Question numéro 1. Quel est le thème de ce texte? Nous allons reprendre. Quel est le thème de ce texte? 2. Qui est l'énonciateur? Deuxième volet de la question, relevez dans le texte un indice qui marque sa présence. 3. Qui est le destinataire de cette brochure? 4.
quelle est la thèse ou encore l'opinion du locuteur à propos du thème. 5. Quel est le but visé par l'énonciateur? 6. Relevez 3 arguments qu'il utilise pour convaincre ses destinataires. 7. Relevons 2 exemples dont il se sert pour illustrer ses arguments. Alors, j'espère que vous avez bien suivi la lecture du texte et celle des questions. Alors, observez attentivement le questionnaire. Je vais vous aider pour pouvoir répondre à la maison. Je vais revenir sur la première question. On vous demande ici, quel est le thème de ce texte? Donc, parler du thème revient ici à faire ressortir le sujet qui est développé dans le texte, c'est-à-dire le propos autour duquel l'argumentateur fonde son argumentaire. D'accord? À la question 2, qui est l'énonciateur? L'énonciateur, souvenez-vous, lorsque vous avez travaillé sur le schéma de la communication, l'énonciateur, c'est le locuteur, c'est-à-dire celui qui initie la conversation. Donc, il vous reviendra d'identifier qui est l'énonciateur dans ce texte. Ensuite, le deuxième volet vous amène à faire ressortir un indice qui souligne l'implication du locuteur dans le texte. À la question 3, on vous demande qui est le destinataire. Donc, dans le schéma de la communication, non seulement vous avez un émetteur, c'est-à-dire le locuteur, celui qui initie la conversation, cet émetteur s'adresse à un récepteur. C'est ce récepteur ici qu'on appelle le destinataire. Vous allez dire qui est le destinataire de la brochure, c'est-à-dire à qui l'énonciateur s'adresse-t-il. 4. Quelle est la thèse? Entre parenthèses, l'opinion du locuteur à propos du thème. La thèse, c'est tout simplement, si vous voulez, le point de vue du locuteur à propos du thème, c'est-à-dire son avis, la position qu'il défend par rapport au thème qui est développé dans le texte. 5. Quel est le but visé par l'énonciateur? Parler de but revient à identifier l'objectif. Le but ici, c'est l'objectif que l'argumentateur se fixe dans son énoncé. 6. Relevez 3 arguments. Donc, le titre de notre leçon, je reviens, ce sont les caractéristiques de l'argumentation. D'accord? Donc, nous avons souligné au départ que nous avons un thème. Le thème, je viens de vous l'expliquer, c'est le sujet. Ensuite, vous avez une thèse qui est défendue par le locuteur. La thèse, c'est tout simplement le point de vue que le locuteur émet, qu'il défend dans le texte. Il ne se contente pas seulement d'énoncer la thèse, il va également se servir des arguments. Donc les arguments ici, si vous voulez, ce sont des idées, ce sont des preuves que l'énonciateur utilise pour renforcer le point de vue qu'il défend dans le texte. Et ici, il vous est demandé d'en trouver 3. Enfin, 7. Relevons 2 exemples dont il se sert pour illustrer ses arguments. Donc, les arguments ont pour but de soutenir la thèse, ce sont donc les idées, on va dire, abstraites. Par contre, les exemples, ce sont également les idées, mais ici, il s'agit des idées précises, ou encore, c'est du concret qu'il va utiliser pour renforcer cette fois les arguments. Passons maintenant, j'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. On va maintenant vous présenter une proposition de corriger par rapport à cette série de questions. Nous passons à la diapo suivante. Alors, réponse aux questions. 1. Quel est le thème de ce texte? Nous venons de dire que le thème, c'est le sujet. Alors, comme proposition de réponse, on peut dire ici que le thème développé dans ce texte est le thé ou encore la consommation du thé. D'accord? Comment se justifie ce thème? Il peut être justifié par
la répétition du mot thé que l'on retrouve dans tout le texte. Ou encore, il peut aisément se justifier par le champ lexical. Donc, nous avons à la première ligne le mot thé. Nous retrouvons également la boisson universelle. Nous avons à la fin du texte la boisson la plus consommée. Donc, vous voyez que le thème se justifie par la répétition ou encore par le champ lexical. Question 2. Qui est l'énonciateur? Nous venons de dire que l'énonciateur, c'est le destinataire, celui à qui le message est destiné. Réponse possible. L'énonciateur de ce texte est R.P. Daman, un importateur de thé. Comment nous le savons? Nous pouvons toujours nous référer à notre texte de base. Nous regardons le paratexte. Il nous est dit ceci. L'amateur de thé est une brochure distribuée gratuitement dans les magasins où l'on vend du café ou du thé. R.P. Daman est un importateur de thé. Donc on comprend aisément ici que l'énonciateur n'est autre que R.P. Daman, un importateur de thé. Nous avons le deuxième volet. Le deuxième volet de la question nous demande de relever dans le texte un indice qui marque sa présence. Comme indice marquant la présence ou encore l'implication de l'énonciateur dans le texte, nous pouvons relever l'emploi du pronom personnel « nous ». Ce pronom personnel « nous », on le retrouve dans le texte à la ligne 7. Question 3. Qui est le destinataire de cette brochure? Le destinataire, c'est celui à qui le message est destiné. D'accord? Dans le schéma de la communication, vous avez l'énonciateur ou encore l'émetteur, mais vous avez également un récepteur. Donc ici, le destinataire, c'est celui qui reçoit le message, celui à qui l'argumentation est destinée. Alors, cette brochure est destinée aux clients du café. Souvenez-vous, R.P. Daman est un importateur de café et la brochure est mise à la disposition des cafés. Donc, on peut répondre ici que le destinataire, ce sont les clients qui fréquentent le café ou encore le salon de thé. Question 4. Quelle est l'opinion ou encore la thèse du locuteur à propos du thé? C'est-à-dire, quelle est sa position? Qu'est-ce qu'il pense de la consommation du thé? On répond, le locuteur affirme que le thé est reconnu comme étant la boisson universelle par excellence. Cette thèse, elle est clairement soulignée dans le texte. Dès la première ligne, on peut lire, le thé est reconnu comme étant la boisson universelle. Donc, la thèse étant clairement présentée dans le texte, on peut donc dire qu'elle est explicite. Nous poursuivons avec notre proposition de corriger. Nous passons maintenant à la question 5. Quel est le but visé par l'énonciateur? Le but ici, c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Nous l'avons déjà dit, d'accord? Donc, une argumentation a toujours un but, un objectif. Le but ici de Daman est de convaincre la clientèle sur les bienfaits du thé, en vue d'amener cette dernière à consommer cette boisson qu'il juge bénéfique pour l'homme. 6. Relevez 3 arguments qu'il utilise pour convaincre ses destinataires. Puisque la visée du texte argumentatif est de convaincre. L'argumentateur, non seulement il expose une thèse, un point de vue, il va également utiliser des idées, d'accord, pour renforcer cette opinion qu'il soutient. Alors, dans le texte, on a plusieurs arguments, mais la question nous invite à faire ressortir 3. On va donc se limiter à cela. Donc, comme argument, premier argument, nous pouvons relever ceci. Le thé est bu pour se rafraîchir, pour se réchauffer ou encore pour se désaltérer. D'accord? On retrouve cet argument aux lignes de la ligne 2 à 3. Ensuite, le thé est également reconnu comme une boisson aux multiples bienfaits. Vu qu'il défend la consommation du thé, donc il énumère ici
une idée qui vient justement renforcer ce point de vue. Enfin, comme dernier argument, le thé ne comporte ni calories ni sodium. Nous allons terminer avec la question 7. Relevons deux exemples dont il se sert pour illustrer ses arguments. Alors, nous avons dit que les exemples, ce sont des faits concrets. L'argument, c'est une idée, mais une idée abstraite. Par contre, l'exemple, ce sont des faits précis, concrets, qui ont pour rôle de renforcer les arguments. Alors, relevons deux exemples. Nous pouvons relever les pays chauds ou encore les pays froids. Donc, dans les pays chauds, le thé serait bu pour, peut être bu pour se rafraîchir et dans les pays froids pour se réchauffer. Comme deuxième argument, dans le texte, nous avons vu tout à l'heure que l'argumentateur fait ressortir les vitamines qui sont contenues dans le thé. Mais il ne se contente pas seulement de le dire, de donner une idée vague. Il énumère quelques vitamines, parmi lesquelles la vitamine A, B1, C, E, K, P et la vitamine PP. Voilà, j'espère que vous avez travaillé avec moi à la maison. Nous allons continuer maintenant et retenir, formuler si vous voulez la synthèse de cette leçon. Nous passons donc à la synthèse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'argumentation prend en compte les éléments de la communication, parmi lesquels le locuteur, le destinataire. Et nous avons dit que l'argumentation a un but, se fixe un objectif. Donc lorsqu'un énonciateur rédige une argumentation, il vise à agir sur son destinataire afin de le conduire à accomplir une action ou à modifier son opinion. Dans le discours argumentatif, on distingue les éléments suivants. Donc ce sont ces éléments qui nous intéressent parce que le titre de notre leçon, c'est les caractéristiques de l'argumentation. Donc nous avons vu quelques caractéristiques, parmi lesquelles, petit a, le thème. Le thème, c'est le sujet sur lequel se fonde l'argumentation. Petit b, la thèse. C'est l'opinion ou encore le point de vue du locuteur au sujet du thème. Et la thèse soutenue peut s'opposer à une thèse rejetée de façon explicite, c'est-à-dire de façon claire, ou encore de façon implicite, de façon cachée ou encore dissimulée, si vous voulez. C, les arguments. Ce sont des idées dont le locuteur se sert pour défendre son point de vue. Et enfin, petit d, les exemples, ce sont des cas concrets, précis, qui servent à illustrer ou encore à justifier les arguments. Nous allons passer maintenant à un exercice d'application pour vérifier si vous avez suivi le cours et surtout si vous avez compris. Alors, notre exercice d'application prend appui également sur un texte et je vous invite à suivre la lecture du texte avec moi. Je lis le texte. Mon fils est complètement accro. C'est un discours répété sans cesse, mais il faut le relativiser. Pour Samuel Lepastier, pédopsychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, la pratique des jeux vidéo peut effectivement s'apparenter à une drogue. On est en face d'un comportement toxicomaniaque alors qu'il n'y a aucun élément biochimique. Le manque est exclusivement psychologique. Et comme le jeu vidéo n'engendre pas de dépenses physiques, l'excitation de l'enfant ne diminue pas. Il va jouer des heures et des heures si on ne lui fixe pas de limites. Mais tous les enfants qui s'adonnent aux jeux vidéo ne sont pas dépendants. Il s'agit seulement d'une minorité, ceux qui souffrent d'une carence affective. Ils n'ont pas la capacité d'être seuls et ont toujours besoin de s'accrocher à quelque chose. Quand ils arrêtent de jouer, ils ressentent une fatigue psychique de l'ordre de la dépression parce qu'ils sont de nouveau seuls
confrontés à eux-mêmes. Mais, ajoute Samuel Le Pastier, une fois le problème d'identité résolu, la pratique intensive du jeu s'atténue. Christophe Labbé et Olivier Ricasse, Science et Avenir, numéro 599, janvier 1997. Je vous laisse donc quelques instants. Je vous invite à lire le texte attentivement. Voilà, nous allons poursuivre maintenant avec les questions. J'espère que vous avez lu le texte. Question 1. Quel est le thème de ce texte? Quel est le thème de ce texte? Nous venons de le dire, le thème c'est le sujet. Le sujet qui est développé dans le texte. Et comment fait-on pour trouver le thème? On peut regarder le champ lexical dominant dans le texte. 2. Donner le point de vue du locuteur à propos du thème. Le point de vue, c'est la thèse qui est défendue, c'est l'avis ou encore la position du locuteur au sujet du thème. Enfin, 3. Relever 3 arguments qu'il utilise pour soutenir son point de vue. Les arguments, ce sont des idées, d'accord, qui ont pour rôle de renforcer le point de vue défendu par le locuteur. Voilà, j'espère que vous prenez des notes et surtout...